Salut à tous, bienvenue de retour en fait, cette fois-ci dans le local. Depuis la dernière fois que j'ai envoyé une vidéo, c'était quoi, il y a 2 semaines au moins, j'ai bien avancé, j'ai bien bossé. En gros, j'ai passé tout mon temps à m'installer. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, on est dans le local, j'ai fait un bon coup de peinture, je me suis mis une petite frise bleue pour faire un peu plus électrique. En fait, le local était dégueulasse avant. Je me suis installé, commence à monter les établis, les outils. Là, le van derrière moi est en position de travail, c'est-à-dire qu'on l'a monté sur ses cales. Ici, je vais poster une petite vidéo où en fait, j'explique comment j'ai fait ces pieds d'atelier, ces chandelles en fait, pour m'entraîner, on va dire. C'était un premier jet de fabrication avant d'attaquer vraiment le vif du sujet. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Et voilà, je vais vous montrer, je vais faire un petit tour du shop et je vais vous montrer un peu les étapes de l'installation. Voilà, à suivre. Je vous raconte pas comment le local était dégueulasse quand je suis arrivé et avec les murs vraiment en mauvais état, donc un bon coup de balayage et serpillière quand même pour commencer avant de repeindre donc les murs et aussi le sol avec une peinture spéciale. Tout ça parce que je vais passer 6 mois couché sous le van et je voulais quand même un endroit un peu plus propre pour bosser. Est-ce que je vous ai emmené faire un tour du shop? Ce que j'appelle le shop, c'est mon local où je bosse. Donc ici on a le van, ici mon atelier de travail et là surtout la partie grosse mécanique où je fais la soudure et tout ça. De toute façon, avec toutes les vidéos que je vais envoyer, vous allez commencer à le connaître. Petit aperçu du local après peinture, donc voilà mes établis, ma zone de travail. Beaucoup d'espace, ça c'est vraiment sympa, le van dans sa position. Et là je me suis fait un petit support pour pouvoir glisser sous le van. Dans cette vidéo, juste après, je vous montre un peu les étapes de sa fabrication. Le van sur la plage. Je crois qu'il est fait pour ça. De toute façon, avec ses 4 roues motrices, ça peut pas être mieux. Underbody. En gros, voilà, je me fais plaisir. S'il faisait beau ce jour-là, je me suis dit, allez, on va aller rouler un peu dans la flotte, pourquoi pas, hein. Ça lave ça a lavé dessous le van. Et j'ai mis la GoPro à différents endroits sous le van, comme genre là, ici, je suis sur le pare-choc, là, pour l'essieu avant. Et j'aime bien, ça fait des plans vraiment sympas, je trouve. Là, je suis sur une des biellettes du triangle de suspension avant droit en regardant vers l'arrière du véhicule. Regardez, on voit le cardan qui tourne. Ah, je suis de l'autre côté. Je suis sur le longeron gauche du véhicule, toujours en regardant vers l'arrière. De l'eau plein d'eau. Non, c'est un van, faut pas abuser non plus. Là, je crois que je suis à l'arrière, ouais, je suis sous le van sur la boule. Et la caméra va s'en prendre plein la face. Ouais. Toujours à côté de la région de Valence. C'est vraiment un coin sympa, il y a plein de petits trucs comme ça. Où... Bah, je suis allé sur la plage, mais la vérité c'est qu'on n'a pas le droit d'y aller. Je me suis fait sortir, donc j'ai préféré rester à côté de la plage et faire mes muscles dans l'eau. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà la fin du vlog numéro 3, je crois.
Je suis ravi de vous montrer tout ce que je fais, j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez en voir plus, parce que c'est vraiment le début d'une longue série, je pense qu'on est parti sur un an et demi de travaux, vraiment. Je vais tout vous montrer, je vais essayer de m'améliorer en termes de qualité d'image, de son, d'explication. C'est un début pour moi. Donc, si vous voulez souscrire à la chaîne, il y a un lien qui devrait s'afficher par ici. Il y a d'autres vidéos qui sont avant, après. Le principe, c'est de faire donc un vlog où j'explique vraiment l'avancée de mon travail et des short clips, ce que j'appelle des petites vidéos qui sont des choses annexes, donc des petits road trips, des trucs un peu plus techniques où je vais vraiment rentrer dans le détail de ce que je fais. Donc après, je vous invite à voir ce qui vous intéresse en fonction de vos intérêts personnels. Mais en gros, voici le fonctionnement de la chaîne et comment on va avancer dans le temps. Prochaine étape, tout défoncer, tout démonter. Les roues, le moteur, on va tout sortir. Donc restez avec nous, à la prochaine.